Bonjour, bienvenue sous Windows 8, le nouveau système d'exploitation de Microsoft. Je vais vous présenter l'application du tour opérateur MailTour, spécialiste des voyages sur mesure. MailTour a toujours eu la volonté de proposer ce qu'il y a de meilleur, aussi bien en termes de voyage que de qualité de site internet. A noter que ce dernier vient de faire peau neuve, n'hésitez pas à le consulter. Présent dans tous les ordinateurs depuis le 26 octobre, ce nouveau système quelque peu déroutant de prime abord mérite quelques explications. Nous voici ici sur la page d'accueil. Celle-ci est constituée de plusieurs icônes modulables selon vos envies. Par défaut, certaines icônes seront déjà présentes alors que d'autres seront à télécharger via le Windows Store. Le Windows Store est segmenté en plusieurs rubriques. Dans notre cas, nous allons dans la rubrique Voyage. En cliquant sur Voyage, vous obtenez la liste des applications associées à cette thématique. A noter que MailTour est le seul tour opérateur à bénéficier d'une application sous Windows 8. Voici une brève présentation de l'application en images avec un léger descriptif, des notes d'évaluation et même des commentaires, au nombre de 3 à ce jour, très positifs. Si cette présentation vous a plu et convaincu, vous pouvez la télécharger en cliquant sur le bouton « Installation ». Une fois installée, vous retrouverez sur votre page d'accueil l'icône « MailTour ». Passons à présent à la présentation de l'application de MailTour. En préambule, nous avons un édito présentant rapidement le savoir-faire de MailTour, le voyage sur mesure. Suit alors une partie « Nos coups de cœur » qui regroupe nos destinations du moment. On est face à un mur d'images très dynamique. Comme vous pouvez le constater, cette application met beaucoup plus en avant l'immersion visuelle grâce à nos photos. Il faut savoir que la disposition des voyages coups de cœur s'adapte automatiquement à la taille de votre écran. Pour tourner les pages, il vous suffit d'utiliser la roulette de votre souris. La seconde partie est la présentation de nos destinations spécialisées, à savoir l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada et l'Argentine. La partie « Toutes nos destinations » permet de retrouver rapidement un pays, soit en sélection rapide, soit en utilisant la carte. Nous y reviendrons plus tard. Ici, nous présentons nos voyages thématiques. Ici, nos 3 types de séjours. Nos 3 types de circuits en liberté. Pour terminer par nos circuits guidés. Prenons l'exemple de la destination du moment, le Canada. Nous sommes ici dans la page pays Canada hiver, présentant une introduction et des vignettes. Ces vignettes représentent nos différentes offres de voyage, raid motoneige et circuits multi-activités. Prenons l'exemple d'un voyage qui marche très bien en ce moment, Magie des neiges canadiennes. Même principe que les pages pays, nous avons une introduction, un léger descriptif, une durée, une typologie. Nous sommes ici face à un circuit multi-activité, un tarif, un bouton « Nous consulter » qui fait office de demande de devis, mais nous y reviendrons plus tard. La carte est cliquable afin de visualiser l'endroit du séjour. Cliquez en dehors pour sortir. Une présentation rapide des étapes jour par jour.
cliquez pour avoir le détail. Cliquez en dehors pour sortir. Un mur d'image associé à ce voyage, toujours cliquable. Les puces Mail-Tour et les conditions générales. Revenons sur le bouton « Nous consulter ». Après lecture du programme, si celui-ci vous intéresse, vous pouvez envoyer une demande de devis en cliquant sur ce bouton. Celui-ci ouvre un formulaire. Seuls trois champs sont obligatoires. Nom, mail et voyage souhaité, sachant que ce dernier est enregistré automatiquement. Vous pouvez détailler votre demande en cliquant ici. En renseignant une date de départ, une durée, une ville de départ, un type d'hébergement, nombre d'adultes, un nombre d'enfants, un budget minimum, un budget maximum. Cliquez en dehors pour sortir. Cliquez sur Envoyer pour valider l'envoi de votre demande de devis. Petite subtilité, pour revenir en arrière, il vous faut faire un clic droit à l'aide de votre souris pour laisser apparaître deux bandeaux noirs. Le bandeau supérieur présente une flèche retour directe à la page précédente et une icône maison pour revenir à la page d'accueil. Le bandeau inférieur présente un titre « Ma sélection », un bouton « Ajouter » et un bouton « Nous contacter ». Le bouton « Ajouter » permet de sélectionner un produit et de le placer dans un panier, permettant ainsi de mémoriser les produits qui vous ont plu et d'y revenir plus tard. Pour les supprimer, très simple, un clic sur la croix. Revenons sur la page d'accueil pour vous présenter la carte du monde. Voici notre carte du monde. Les pays en orange correspondent aux pays présents sur notre site internet, c'est-à-dire des pays où nous sommes producteurs et spécialisés. Pour rappel, Mail-Tour a été créé il y a plus de 22 ans avec trois grandes destinations, l'Australie, l'Afrique australe et de l'Est, et le Canada était comme hiver. Avec le temps, l'expertise et la passion du voyage, nous avons étendu nos offres à d'autres destinations. Mais attention, étant spécialistes du voyage sur mesure, nous nous devons de répondre à vos besoins. Ainsi, nous sommes tout à fait capables de vous proposer de magnifiques voyages dans les pays figurant en blanc, comme par exemple les États-Unis, Mexique, Maroc, Mali, Zimbabwe et bien plus encore. Prenons l'exemple de l'Australie. En un clic, une pancarte apparaît présentant rapidement la destination. Si vous êtes intéressé, il vous suffit de cliquer de nouveau pour basculer sur la page Australie. Même principe, des vignettes présentant nos différents types d'offres en Australie. Voilà, ma présentation de l'application Mail-Tour sous Windows 8 touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur le site de Mail-Tour.